Bonjour les passionnés, c'est Marissa. Je voulais découvrir avec vous ce que je viens d'acheter tout à l'heure dans un Leclerc Culture. Un coffret Oracle de Lumière, vous devez certainement connaître. Enfin, moi je ne connais pas, donc ça tombait bien. Et en même temps, il y a un petit cadeau, il y a une bougie et il y a une, comment on appelle ça un présentoir de cartes. Voilà, donc je vais vous montrer ça. C'est au prix de 29,90 €. C'est Aurore Widmer qui a conçu cet oracle. Et les illustrations sont de Jérémy Avada. Bon, quand je l'ai vu tout à l'heure dans le magasin, en fait, j'ai été regarder sur YouTube et sur Amazon, tout ça, tout tralala, pour pas les citer, voir ce que les avis. Et en fait, ils disaient que les cartes étaient superbes, mais un peu fines, pas très bonne qualité. Bon, après, j'ai dit, oh, je vais me prendre. Il m'attirait assez avec la lune, le signe de l'infini, la fille. La nana avec ses cheveux dorés. Et puis voilà, donc je l'ai pris. Donc voilà. Donc il y a une bougie. Hop, petite bougie, c'est toujours bien. Il y a, hop, le porte-carte. Ah bah je vais mettre Tara Bleu. C'est elle qui me protège en ce moment. Et donc, un livret en noir et blanc. Bon, je ne vais pas les lire, hein, vous devez le connaître. C'est juste pour vous montrer le coffret. Voilà. Et les cartes. Je vais vous montrer les cartes quand même. Les cartes. Un petit pochon. Voilà, toujours pratique. Tiens, celui-là, je pourrais le customiser en fait, puisqu'il n'est pas en velours. Ouais. Voilà, et donc le coffret, voilà, derrière. C'est sympa. Voilà, et je vais vous montrer les cartes. Voilà. Le tapis en dessous, ça vient de chez Essence Mana. Voilà, donc je vais vous les montrer. L'éveil. Avec un beau serpent. J'ai l'impression de. C'est vrai que les cartes, elles sont assez fines. Hein. Mais bon. L'autre mot, le coffret tout seul, il coûte 22 €. Il était aussi en vente. Et donc, 29,90 € avec la bougie et le présentoir de cartes, qui est quand même épais. Et il est bien, je trouve bien. Et puis, il peut mettre la bougie. Hop, nickel. Oh, je trouvais sympa. Je dis, oh, bah, ça fait 8 €. Et puis, comme à Leclerc Culture, on a 5%. Bon, c'est pas mal, on va dire. L'amour inconditionnel. La gratitude. Le féminin sacré. Le choix. Elles sont un peu collées, les cartes. Le karma. La nature. Le succès, les cycles, le repos avec le petit chat, la maturité, le guide. Le voyage, la créativité,
La communication. L'union. La vulnérabilité. C'est collé. L'inconnu. Ils sont jolis. La mort intérieure. L'expérience initiatique. Je sais plus lire. Le pouvoir personnel. La protection. Le feu intérieur. Oh, c'est bien. Le foyer, j'allais dire le loyer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? La compassion. Le pardon. Et ça passe, je trouve. La responsabilité. L'équilibre. La vitalité. La transformation. Avec le papillon. La cohérence. Le sacrifice. L'originalité. La joie. L'illusion. Le soutien. La connaissance de soi. Hier soir, j'entendais une chouette, un hibou. Non, la nuit, c'est le hibou qui chantait. La force intérieure. Dites-moi si je dis des bêtises. Le partage. L'abondance. La confiance. L'impermanche. Ouais, moi je suis nul ou quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Je réfléchis. Bah, vous me direz. La paix intérieure. Et l'instant présent. Elles sont très jolies, elles sont sympas. Voilà pour ce petit jeu sympathique. Je vais juste tirer, je ne mélange pas, je vais juste tirer une carte comme ça, au hasard. Au hasard, tiens-toi. La créativité. C'est super. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.